vient de toi, Seigneur. Lumière dans notre obscurité. Quel éclair de ce pas que nous avons à faire pour repartir dans l'espérance. Rite de la croix. Seigneur Jésus, tu nous as aimés jusqu'à mourir au don. Que la gloire fixée sur ce Saint-Cœur soit à nos yeux le signe de ton amour pour le Père Sylvain et pour chacun de nous. Rite de l'aube. Seigneur, regarde avec miséricorde ton serviteur, le Père Sylvain Aïe. Il a porté ce vêtement, signe de vie et de joie dans ton amitié. Que l'amitié qui nous lie à lui grandisse et s'épanouisse dans ton amour. Ton serviteur Sylvain portait les tôles lorsqu'il assemblait les hommes pour partager ta parole et ton pain. Qu'il se présente devant toi aujourd'hui, délivré du péché avec le vêtement de fête de tes amis. Rite du calice. Ton Père Sylvain s'est servi de ce calice pour s'unir au corps et au sang du Christ dans la liturgie de l'Église. La liturgie éternelle dans l'Assemblée des Saints. Nous avons mis ces fleurs en signe d'affection et de respect. Elles nous parlent de toutes ces présences qui ne savent pas comment s'exprimer devant la dépouille du Père Sylvain. Veillons pour le Père. Excellence.
Adaoui, président de la Conférence des évêques du Togo. Honorable régent et respectable dignitaire du palais royal de Toulon, révérend père vicaire généraux, révérend père délégué épiscopaux, révérend père conseiller grand, frères et sœurs dans la vie consacrée, très chers membres de la famille de notre confrère, le père Sylvain Ayali, fils et filles bien-aimés, et vous tous, peuple de Dieu. Tu es poussière et tu redeviendras poussière. Genèse 3, 19. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Apocalypse 21, 7. Ces deux citations empruntées au premier et au dernier livre de la Sainte Écriture encadre la vie de toute personne vivant sur cette terre. Tirés de la terre, nous retournerons à la terre. Vous devez à partir de la poussière, nous redeviendrons poussière. Chacun de nous, au jour et à l'heure, fixé par le Seigneur, notre Créateur. Mais notre destination finale, c'est le royaume de Dieu, où nous sommes appelés à vivre ensemble avec lui, à condition, comme nous l'avons entendu, d'être des vainqueurs, à travers une vie de foi et d'amour véritable. C'est le combat que notre Père, confrère, ami, le serviteur de Dieu, le Père Sylvain Ayali, a mené. Durant de longues années de vie sacerdotale, il a cherché le Seigneur son Dieu. Il s'est donné à lui de tout son cœur. Il a administré le sacrement de l'Eucharistie, baptisé, entendu de nombreuses confessions, accompagné le peuple de Dieu. Il a célébré tant de fois la Sainte Eucharistie sur cet autel devant lequel nous l'accompagnons ce matin. Oui, nous recommandons-le à la bonté, à la miséricorde de Dieu, pour qu'il l'accueille, pour qu'il lui découvre son visage. Au nom de notre Église, famille de Dieu, je présente mes sincères condoléances aux membres de sa famille, à notre clergé, à tous ceux, à toutes celles qui l'ont connu, aimé, à tous ceux, à toutes celles qui sont touchés dans leur cœur par son départ de ce monde. Au nom de notre Église, famille de Dieu, je voudrais également remercier tous ceux et toutes celles qui se sont dévoués à son service, en particulier au cours de ces dernières années, au moment où ses forces déclinantes ne lui permettaient plus de se déplacer, de participer à toutes nos célébrations. Oui, que le Seigneur soit lui-même la récompense de tous ceux qui l'ont aidé à passer ces derniers jours, ces derniers mois. C'est dans la foi et l'espérance que nous sommes rassemblés ce matin.
C'est au nom de cette foi que je vous invite, au début de cette célébration eucharistique, à nous tourner vers le Père des miséricordes pour le supplier de nous purifier de tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, les frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Il nous pardonne de nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Thank you.
proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu. Votre foi est sans contenu. Et nous faisons figure de faux témoins de Dieu pour avoir affirmé en témoignant au sujet de Dieu
En ce temps-là, Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ?» Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre recevra le centuple et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. » Très bon Il y a des êtres qui aiment le Christ,
et qui vivent tellement de lui, qu'il nous le rende présent comme si nous pouvions le voir de nos yeux, le toucher de nos mains et l'entendre avec nos oreilles. Vous devez venir. Oui, vous devez venir. Chers amis, qu'en exprimant cela en ce beau jour, je pense très fort à notre cher père Sylvain Allier. Il est passé dans votre vie, dans notre vie, dans celle de notre Église diocésaine, en faisant le bien. Dans le visage de ce prêtre, vous retrouvez celui d'un frère, d'un père, d'un ami. Au fur et à mesure que les jours vont passer, vous allez retrouver dans votre mémoire la vraie, celle du cœur, telle conversation, un sourire, un conseil, une boutade, un mot qui vous a pacifié, une réflexion qui vous a redonné espoir ou qui vous a rapproché de Dieu. Gardez-les précieusement, elles constituent le patrimoine invisible qu'il nous laisse. Un visage, un regard, un sourire, une parole. Tout cela, le Père Sylvain a gagné, a été pour nous et avec nous. À la suite de son Seigneur, il a voulu celui du bonheur, des histoires, des poèmes, des chansons, partout autour de lui. Il me disait, trois jours avant sa mort, Père Sébastien, le vrai bonheur est de rendre les autres heureux. Les rendre heureux, ici et maintenant, c'est ma vie. C'est vrai, nous sommes tristes, mais il faut que notre tristesse en ce beau jour se change en joie. Il faut que nous rendions grâce au Seigneur de nous avoir donné ce prêtre durant ces 57 ans de vie sacerdotale. Patiemment, discrètement, soigneusement, amoureusement, il a pris soin de nous, il a pris soin de vous, à la manière du bon pasteur. Il vous connaissait bien. Cela signifie que votre existence d'homme, de femme, était gravée dans son cœur, à la vie, à la mort. Il est parti vers son Seigneur en apportant tous vos visages avec lui pour les présenter à son maître dans l'éternité. C'est cela qui caractérise le vrai pasteur. Il n'abandonne jamais celles et ceux qui lui ont confié ou lui ont été confiés ou qui se sont confiés à lui. Il continue de les accompagner, à les guider, à les aimer au-delà de la mort, au-delà de sa propre mort. Sa vie, sa foi, son cœur était pour vous, était à vous et était pour vous. Le Père Agaï, s'il est. Nous disait à l'époque, un prêtre, c'est comme un pont. Il tient dans sa main
celle du Seigneur, et de l'autre, il tient la boucle. Il est comme un trait d'union entre le Christ et vous, et sa plus belle joie, sa plus belle récompense, c'est donc qu'il parvient à joindre votre main à celle du Seigneur pour ainsi vous unir à lui. C'est tout le sens de l'Eucharistie où la mission du célébrant est de permettre à chacune et à chacun d'entrer en communion avec celui qui, au-delà de toute attente, nous donne sa vie en plénitude pour combler toutes les faims et toutes les soifs, afin que nous vivions de lui et que nous aimions comme lui. Vous saviez combien le Père Sylvain a gagné et bien célébrer l'Eucharistie. Je voudrais plutôt vous dire chanter l'Eucharistie. Il me disait quelques jours avant sa mort, Père Sébastien, j'ai pris l'habitude et c'est sérieux ce que je te dis. J'ai pris l'habitude pour me consoler de chanter le bébé chez moi et aussi la messe que je célèbre en semaine. Sans aucun assistant, la plupart du temps, même si je chante fort, je ne gêne personne parce que je suis dans ma maison. Heureux les pauvres qui s'endorment dans le Seigneur. L'Esprit de Dieu dit qu'ils se reposent de leur peine et car leurs actes les suivent. Ces paroles, frères et sœurs, de l'Apocalypse de Saint Jean apaisent en ce beau jour notre tristesse. Car s'endormir dans le Seigneur, c'est s'abandonner entre ses mains comme Jésus sur la croix, pour le rejoindre et vivre avec lui, ressuscité éternellement. C'est ainsi que le Père Sylvain a gagné, nous a quittés le dimanche 9 octobre 2022, au seuil de sa 88e année. Donc c'est dans cet an de vie sacerdotale. Il avait été ordonné prêtre le 19 décembre 1964 par le pape Paul VI à Rome. Nous voici rassemblés ce matin en cette église paroissiale. C'est de l'Immaculée Conception de Nicaragua, dont il fut curé pour le confier à la miséricorde divine, en rendant grâce à Dieu pour le serviteur fidèle, humble et bon qu'il fut dans l'exercice de ses ministères. Le Père Sylvain Agali fut un serviteur fidèle. Quel que soit le ministère confié, soit un professeur au petit séminaire Saint-Pierre-Claver, à Tourcoing, au grand séminaire avec le diocésain de Lomé, puis chancelier, ensuite curé de cette paroisse et celle du serviteur junior de Tourcoing-Est, notre cher père a annoncé fidèlement l'évangile qui était la tâche prioritaire. La parole de Jésus était le fil conducteur qui lui permettait d'orienter sa réflexion et son action. Il y confrontait sa vie spirituelle, sa vie quotidienne et les divers engagements qui lui incombaient. Durant la période où il avait été directeur diocésain de l'enseignement religieux,
et de la tête de chèvre. Il avait préparé ou repéré les difficultés rencontrées par les enfants et les jeunes pour s'attacher au Christ à raison de l'exigence spirituelle du monde ambiant, c'est-à-dire du monde actuel. Il pensait que les hommes des adultes chrétiens vivant l'Évangile étaient le meilleur moyen pour le transmettre aux jeunes générations. Le père Sylvain Ayali était un homme humble. Les témoignages de ceux qui l'ont approché font état d'un éducateur, d'un accompagnateur, d'un conseiller, accueillant, respectueux, modeste, disponible pour écouter et aider chacun à prendre ensuite sa décision. Cet accompagnement distinct nous fait penser à la rencontre de Jésus avec les disciples d'Emmaüs. Jésus a écouté. Jésus a réconforté. Jésus a encouragé ces deux hommes désespérés avant de se faire reconnaître à la fraction du pain. On pourrait aussi évoquer le cas de Zachée qui dévoile sa vie devant Jésus, ou encore Nicodème qui vient échanger et demander à Jésus de lui expliquer comment on peut naître à nouveau par le baptême. C'est cette figure de Jésus, bon pasteur, qui accompagnait le ministère du Père Sylvain Ayali. Le Père, notre cher Père, était un homme bon, discrètement, humblement et avec persévérance, il a cherché durant toute sa vie la vie sacerdotale, à rendre le Christ présent là où il était envoyé. Il savait que pour faire entendre l'Évangile, il fallait commencer par être attentif aux autres. Il a probablement tant de gens auxquels nous ne prêtons pas attention parce que nous sommes tellement préoccupés, absorbés par les exigences de notre vie quotidienne. Or, entendre et faire entendre l'Évangile dépend pour une part de la qualité d'attention que nous accordons aux autres. C'est l'idée de Jésus. Le Père Sylvain Ayali, que nous appelons affectueusement Rabbi, maître, il l'a été en étant le serviteur de ses frères et sœurs, en se donnant tout entier à son ministère presbytéral, n'oubliant jamais qu'il avait été ordonné prêtre pour servir le peuple de Dieu. Notre cher Père, Sylvain Ayali, n'est pas l'homme dont on peut jouer ou se jouer facilement. Ça fait sourire. Bien que tout à tous, le Père Sylvain Ayali n'est pas l'homme du favoritisme. Quelles que soient les relations que l'on tisse avec lui, il n'y a pas à s'attendre à ce que l'on soit apprécié au-delà de ce que l'on vaut réellement. Et il le dit, et il le disait avec cœur. Au grand séminaire interdiocésain où il nous enseignait et la liturgie et la doctrine sociale de l'Église, il fallait se lever tôt pour avoir une bonne note avec ce éminent professeur. Son regard, son sourire
nous disait tout. Il ne faisait non pas par méchanceté ou par malice, mais pour qu'à l'extérieur, on ne soit pas sous-estimé ou que la maison de formation soit dépréciée. Ses meilleurs amis sont bien ceux qui ont pu persévérer dans la rigueur de sa discipline et de ses sciences. Le père Zimmer, Ayali, est un homme cultivé et fier de sa culture. Il possédait, comme nous avons eu en temps hier, il possédait le Concile Vatican II à la lettre. Il aimait citer les documents conciliaires lors de ses homélies bien préparées. Il préparait bien ses homélies. Il n'est pas celui qui éprouve quelques promesses en face de qui que ce soit. Aujourd'hui, c'est au nom de tous ceux-là et de tous ceux-là à qui, cher le Père, vous vouliez du bien par votre rigueur de travail et par votre désir de fidélité au Seigneur que je viens vous dire merci. Merci Père pour tout ce que vous avez mis en branle pour vous former à devenir des hommes selon le cœur de Dieu qui veut bien enfiler aux autres. Avec vous, nous venons rendre grâce au Seigneur de vous avoir mis sur notre route pour vous dépenser gratuitement pour vous. Ceux qui vous découvrent en profondeur perçoivent le prototype même de l'homme du succès dont la tendance force le respect de la personnalité et l'amour. Disons une passion dont le secret a trouvé ou est à trouver dans votre foi en ce Dieu qui aime l'homme à la folie et dans votre spiritualité très mariale dont nous célébrons l'intimité en ce mois d'octobre qui est le mois du rosaire. Chers frères et sœurs, vous faites bien de venir de nombreux et de vivre vos horizons entourés de Père Sylvain Agami dans son dernier voyage dans la maison du Père. Que le Seigneur, qui a fait tant de merveilles pour nous et pour lui, l'a fait. Saint est son nom. Le Seigneur a réalisé en lui de grandes choses. Et la merveille des merveilles, frères et sœurs, ce n'est pas d'abord la vie et la santé dont il a été gratifié. Ce n'est pas non plus le sacerdoce dont le Seigneur l'a revêtu. C'est bien vous et moi, présents ou en communion, dont il a assuré l'éducation aussi bien religieuse qu'humaine. Nous le concevons comme un panier dont tout en lui est richesse, et c'est à la gloire de Dieu au bien-être de l'homme tout court. En dehors du Père, dont il a toujours été fier, même durant les moments difficiles de sa vie, que ce soit ici et ailleurs, sa conviction que Dieu aime tous les hommes et le veut en paix au cœur ne se marchande pas. À l'instar de la Vierge Marie, il a voulu mettre tout à tous et mettre ses talents au service de l'Église. Toutes ces qualités que nous admirons en lui, il les a tirées de la contemplation de l'Écriture, qu'il méditait chaque jour et invitait les siens à lui emboîter le pas. Père Ayali, aujourd'hui, c'est avec grande reconnaissance que nous lui témoignons notre affection pour nous avoir si bien façonnés, à tel point que nous sommes devenus le lien entre Dieu et lui. Présentons
maintenant les fruits de ses efforts. Fruits qu'il ne se les attribue pas, mais il commande en même temps que nous, comme œuvre du Seigneur, à la suite de Marie qui, dans le Magnificat, rapportait tout à Dieu, avec le Père. Si l'aide à gagner, donc, se réalise cette parabole, ou mieux, cette parole de ses mots. Qu'as-tu que tu l'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en obéis? Oui, Père, vous avez mené le bon combat et vous avez gagné, ou vous avez déjà la couronne de l'étonnant fidèle qui entre dans la joie de son maître. À l'instar de Marie, vous avez suivi de ce qui vous avez été confié des ordres, des adultes et libres qui font votre joie et la fierté de notre Église, famille de Dieu qui est adorée et autour. Cher Père, vous n'avez pas travaillé inutilement. Tout en restant ferme, vous n'avez en aucun moment voulu nous tenir en dépendance. Mais à l'instar de Marie, l'éducatrice par excellence, vous avez su donner l'éducation qu'il fallait tout en nous garantissant cette liberté des enfants de Dieu. Puisse Marie, la femme totalement ouverte à l'action de grâce et en qui Dieu ne sait plus à entrer sa douleur, continuer de guider nos pas pour qu'ensemble nous nous retrouvions un jour autour de l'autel du Seigneur, transformés par la grâce divine pour chanter également ses louanges. Frères et sœurs, en célébrant cette Eucharistie, nous rendons grâce à Dieu pour tout ce que le Père, s'il est à gagner, a semé en cherchant à rendre le Christ et l'Évangile présent là où il est. Puisse-t-il entendre maintenant Jésus ressuscité l'accueillir en disant « Seigneur, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie du Seigneur. Amen. »
pour le salut des vivants et des morts. Que notre prière dépasse maintenant une année. Lord, be our guide.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, le rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Amen.
Souviens-toi du Père Sylvain qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les vivants. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très cher époux, avec les apôtres, les saints Simon et Jude, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Omnis odoret
par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à la vie de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis la vérité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Pax Domini, sic semper vobis.
Thank you.
Pardon à tous ceux qui l'ont fait. À ta vie. Oui, à ce moment-là.
dans cette expérience.
Père très bon, nous remettons entre tes mains le Père Silver, dans l'espérance que tous ceux qui reposent dans le Christ ressusciteront pour être toujours avec lui. Nous te bénissons pour tout ce qu'il a reçu de toi en cette vie. Nous y reconnaissons les signes de ton amour et de la communion des saints. Dieu de tendresse, accueille notre prière pour celui qui vient de nous quitter. Ouvre-lui les portes de ta maison. Et nous qui restons ici-bas, donne-nous de trouver courage et réconfort dans nos paroles d'amitié et de foi, jusqu'au jour où tu nous réuniras avec notre frère auprès de toi. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Il paradiso.